RSE est inscrit dans la stratégie de Gecina depuis très longtemps, mais surtout depuis 2017. C'est vraiment partie prenante. La directrice de la RSE, Sabine Desnaux, est membre du comité exécutif et partie prenante à toutes nos réflexions. Ça veut simplement dire que nous devons changer de tempo, changer de rythme. Et nous avons décidé en début d'année d'accélérer la décarbonation de notre portefeuille en exploitation existant, pas des immeubles neufs qui ont des labels ou autres, mais ce qui est existant, ce qui est en exploitation, à horizon de 2030, à travers un programme qui s'appelle Canopée 2030, carbone net zéro plan 2030, qui nous oblige à massifier, standardiser, accélérer, mettre en place des partenariats, être proactif. Et ceci nous a permis également de verdir la totalité de notre portefeuille d'obligations financières pour les rendre aussi compliant avec ce programme de décarbonation.